Bonjour, bienvenue à vous dans l'émission de cuisine. Alors, quand on nous parle de cuisine, aujourd'hui, on ne va pas faire de recettes, mais on va parler un petit peu des épices. Mais on mène à vous faire un petit tour dans certains endroits où ça, ben, ils plantent pas mal de produits made in Réunion. Et moi, je serai accompagné de ce visite guidée avec ma petite fille Chelsea. Alors, l'accompagnement pendant tout au long de ce reportage, m'invite à Zot à découvrir là. Et là, nous l'est complètement dans un champ de longanis, un carreau de longanis. Alors, les longanis, c'est un peu comme les litchis. Juste après les litchis, nous avons des longanis. Alors, longanis, nous avons deux qualités de longanis. Nous avons le longanis pays, les marrons plus sucrés, plus petits. Et nous avons aussi le longanis qui sort d'Australie. Parce que l'avait planté ça, pourquoi ça avait planté ça? Avait planté ça par rapport à... Ben, il dure un peu plus longtemps. Il est moins fragile que le longanis pays. Donc, et la saison, il dure plus longtemps. Et les pieds, ils viennent vite, facilement, contrairement au longanis pays. Où ça, il faut des années pour que les pieds y gagnent. Voilà, le petit carreau de longanis avec, je l'ai vu, les longanis, il est joli. Il est assez costaud. Et ça, ces longanis-là, la plupart du temps, ils ne plantent pas en champ comme dans le champ de canne. Hein. Donc les longanis, en règle générale, de moon, ils plantent à lui en bordage de terrain. Ils entourent toutes les bonnes cours, les autres bons terrains. Et en plein milieu, on a d'autres plantations comme du palmiste ou sinon ça, les autres, ils font du maraîchage pour le plaisir. Parce qu'après, si les autres, ils veulent exploiter le terrain par la suite... il évite Azote de couper les pieds de longanis qui a pris des années avant d'arriver à ce stade-là. Alors, si tu regardes bien, hein, longanis, pas ça, il manque à nous ici à La Réunion. Les vrais, c'est un produit, il est quand même assez cher quand même. Hein, il est comme le litchi, hein, il prend le temps pour arriver et le prix est assez costaud. Alors, dans le carreau de longanis, on a bien vu, on a des palmistes, on a des cocotiers, on a aussi des plants de café que les plantés à Théala, comme tu vois. Et il permet nos agriculteurs de pouvoir avoir d'autres cultures à l'intérieur, comme les palmistes que nous n'avons à Théala. C'est des champs, la plupart du temps, qu'on voit quand on est comme ça là, n'est pas planté par les jeunes agriculteurs, mais par plutôt les vieux agriculteurs. Hein, c'est l'habitué de travailler la terre dans ces endroits pas commodes. Si on aurait mis un jeune là-dedans, tout de suite, on aurait rasé ça parce que Caterpillar, c'est une marque, hein, n'aurait pas des machines dedans, rasé tout et planté pour gagner beaucoup d'argent, fructifier tout ça. Là, nous suivent Chelsea, qui est avec moi là dans ce zone à vue, elle est assez raide quand même. Même moi avec la Game Ball, elle est assez compliquée, il maille un peu, heureusement le stabilisateur dessus, parce que sinon, n'aurait pas pu aller filmer comme ça, sinon ça n'aurait fait des plans fixes. Alors, nous va tourner un petit peu là, comme vous y voyez, nous sommes dans un champ, dans un carreau de bois, un carreau où ça y plante les bonnes légumes. Là, nous avons du thym, nous avons du romarin que les étaient là. Et aux alentours, nous avons quand même des pieds de longanis que vous y voyez au loin là-bas. Nous avons aussi des manguiers, nous avons toutes sortes de qualités d'affaires. Ici, La Réunion, hein, quand nous regarde, hein, de mon calcul, ici, il n'est pas vraiment planté. Et quand nous voit que Nina pas mal de choses que les fées. Alors, vous avez bien vu là que ces bonnes vieux mounes là, quand ils en servent de l'engrais, mais vous avez vu un gros tas de fumier était là. Et la plupart du temps, ces plantations là, c'est avec du fumier. Pourquoi ça avec fumier? Parce que le fumier est peut-être un petit peu cher, mais au rendement, il est quand même gaillard. Et puis, on peut faire une culture, non pas bio si vous voulez, mais une culture avec de l'agriculture raisonnée. C'est vrai que dans ce genre de plantation-là, nous serait tendance à sulfater un peu, parce que le bio à 100%, il ne réussit pas du tout. Hein. Quand on nous regarde le carreau de thym, et là, on nous regarde les banne-pieds romarins. Il faut dire aussi, le romarin, c'est un pied de bois assez correct, hein, parce que c'est un pied de bois. Oussama n'a jamais vu plus le romarin gagner la maladie, moi. Hein. Le romarin ne gagne pas la maladie du tout, ça c'est un pied de bois, il est assez correct.
Et le romarin, il est bon pour les gens quand on a des problèmes de tension. Quand on a de la tension, serait bien boire un petit tisane romarin, justement, pour faire baisser tout ça. Mais va faire écoute Azote en même temps, hein, en même temps que nous poursuivons notre visite. Ben, nous écoute la petite Chelsea là, qui est derrière, en train de donner de à nous des explications d'enfants. Mais rappelle Azote, hein, c'est pas des explications d'adultes, c'est des explications d'enfants qui savent un petit peu dans tous les sens. Mais quand on regarde bien, c'est en autre langage que nous achèvons de comprendre les affaires. Un langage assez intéressant, hein, parce que bon, ben, il faut inventer des mots et ben, les enfants ont cette capacité. Alors là, il présente à nous un petit peu son carreau de romarin. Ah oui, le romarin, comme il disait Azote, il est très bon pour la tension. Hein. Et d'ailleurs, le romarin, quand les personnes l'avaient peur d'un seul coup, on a une peur violente, là, ben, il utilisait le romarin pour justement faire baisser la tension, pour calmer. Et là, nous, on a des longanies à côté, c'est des longanies d'Australie. Alors, les longanies d'Australie, comme on avait dit Azote tout à l'heure, là, les plus costauds, les plus durs que les longanies d'ici. Et dans le longanie d'Australie, le grain n'est pas costaud, il y a beaucoup de grains dedans. On a les grains, mais les vraiment petits, même les fruits, les petits, nous on a quand même, nous peut manger facilement et il est aussi sucré. Comme il dit sucré, faut aimer, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Et moi, je n'aime pas trop le longani d'Australie. Pourquoi ça? Alors, ouais, parce que tout simplement, le longani d'Australie n'est un goût, il ne plaît pas moi, c'est un goût pareil, bon médicament. Alors, je ne connais pas pourquoi, mais c'est une affaire que bon, ben, la bouche, il ne prend pas trop. Là, nous passons devant un pied de corosol. Un pied de corosol, il est partout devant là. Talion va monter à Zot. Comment il est ce corosol là, parce que c'est une affaire, voilà. Pied de corosol, vous l'avez vu, voilà. Ça, c'est des corosols qui sont très très bons. Les gens, ils font des glaces avec. Il fait pas mal de belles choses pour manger. Et là, lui, il n'est pas piqué du tout, ce qui veut dire qu'il a eu un petit traitement quelque part, il y a mon impression. Néna aussi, ça l'est gâté, c'est un fruit qui gâte facilement, hein. Pas si tôt que les murs. Il faut manger parce que sinon ça, vous êtes risquable de ne pas trouver lui bon du tout. Le goût de la corosol, ici la Réunion, il est un peu acide, légèrement acide. Moi personnellement, m'y mange à lui quand il est mûr. Hein. Donc quand il est mûr, nous casse à lui en deux. La chair, elle est blanche à l'intérieur. Les grains, les noirs. Il est un peu pareil, le queue de bœuf. Ça, tu connais, c'est quoi il est le queue de bœuf? C'est Zanone, hein, Zanone. Il fait partie peut-être un petit peu de la famille du queue de bœuf parce que bah, le queue de bœuf, bah, les feuilles ressemblent pas trop, ils ressemblent plutôt à la pomme cannelle. Les feuilles ressemblent un petit peu à la pomme cannelle. Donc, queue de bœuf, les feuilles un peu plus longues, plus pointues. Et juste avant, on a eu la citrouille chinoise. Et dans le carreau où ça, ma petite fille Chelsea emmène à moi, il emmène à moi un carreau où c'est Nena romarin. Alors, donc, apparemment, il aime bien le romarin. Voilà, il donne à nous des explications sur le romarin. Nous Nena aussi, le bread mafan. Ah oui, ça, c'est un bread où ça, les gens, ils font du rumbaza. Dedans avec les fleurs, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens quand ils mettent les fleurs dedans, les fleurs elles sont assez piquantes, c'est quand nous va faire une recette avec ce plante là qui est pas mal du tout avec beaucoup de vitamines, ça fait penser à nous, à nous te bonnes dallons malgaches, tout ça là. Nous là quand même dans ce champ là pas mal de pieds de bois, hein, qui c'est à nous, hein, et c'est des pieds de bois que vous avez vu les planter dans des champs, bien que des fois ils n'utilisent pas trop de produits chimiques, de désherbants, c'est quand même pas mal. Là, nous on a dans le carreau de thym. Alors, un carreau de thym, alors le thym, ce qu'il faut utiliser, le thym, ils ne mettent pas l'engrais dedans quand ils plantent, ça, d'après ce que j'ai entendu. Le thym, c'est une affaire où ça, ils mettent rien que fumier dedans et la terre simple. Parce que si on met l'engrais dedans, il vient d'un seul coup et le pied, il crève juste après. Et mais après, le but, c'est que. Le but dans ces conditions-là, c'est d'avoir du thym tout du long de l'année et non pas avoir une seule fois et après ne plus avoir. Hein. Un joli carreau de thym que nous voilà, dans ce carreau de thym-là, je l'ai vu, les gens y alternent. Comme je disais, c'est des vieux moules qui utilisent ça la plupart du temps. C'est parce que nous voyons bien l'alternance entre les champs, la séparation, nous avons des plusieurs qualités de affaires. Nous avons du romarin, nous avons du citrouille que les plantés entrent.
entre ces pieds de bois là, qui permet de diversifier un peu notre culture et ne pas vivre qu'avec du thym. Les gens ne vivent pas qu'avec le thym. Et nous voilà aussi en bordage nous n'en a des pieds de mangue josé, nous n'en a aussi des pitayas que les là, et là nous n'en a de la menthe. Vous avez vu le carreau de menthe, c'est pas un carreau de menthe les dents de peau. C'est un carreau de menthe, vraiment les planter à l'air libre, et les gens utilisent ça. À La Réunion, les gens utilisent la menthe, hein, mais je veux dire, pas vraiment à 100% dans le carry. Hein. C'est plutôt musulmans, ban de monde de l'extérieur, tout ça, ils utilisent beaucoup la menthe. Comme on parle à Zotte, là, du mangue josé, quand même pas mal, hein, petit mangue josé, ça, les bio, les pas traités du tout. Hein, mais quand il n'est pas traité, il faut faire attention avec les pitayas, justement, qui est à côté. Pitaya, c'est une affaire, si je ne me trompe pas, il sort du côté du Mexique, là-bas, et pour féconder la fleur, il fallait un insecte bien précis, ici la pointe. Donc, la plupart du temps, les féconder à la main, les fleurs, d'où la cherté du pitaya. Hein. Pitaya, elle est assez chère quand même. Et dans le pitaya, nous avons deux qualités, nous avons le pitaya blanc et le pitaya à chair rouge. Le cœur du dragon, ben, ils appellent ça, ou le sang du dragon, hein. Il est quand même pas mauvais. Moi, ma préférence, si ça va plutôt sur la couleur rouge, hein, pitaya rouge, puisqu'il est plus sucré et moins acide. Le pitaya blanc, il est un petit peu plus acide. Voilà, moi, mes diazotes, là, le carreau de bread de citrouille, avec mon bandalon, les DAI là-bas, ils disent, ok, d'accord, il s'en manque un carré de citrouille à soir. Hein. Voilà le carreau de menthe que les à côté. Alors, il permet à nous quand même d'avoir quand même ici à La Réunion pas mal de produits. Et après, ça, c'est des produits qui sont destinés à être vendus la plupart du temps dans les marché forain, qu'on voit comme ça, il n'est pas calibré du tout, hein, parce que quand les pour les supermarchés, en règle générale, tout est bien calibré, les bien arrangés, les bien machins, il y en a une norme que les supermarchés, ils veulent, donc il fait ça avec. Et là, nous les... moi, parti sur le côté de l'entre-deux, hein, du côté du serré, hein, partout dans ces côtés-là, et là, il me monte un petit bout en lait là-bas, du côté de la ravine des citrons, et là, je suis parti dans un carreau de Longanie, ben oui, un carreau de Longanie, vous allez voir. Comme il dit, hein, c'est le terrain typique des anciens. Parce que on est là en bordage, on est là toujours des arbres pour diversifier. Donc on a le terrain les libres au milieu. Et puis chaque bord, on est là, là comme là, nous avons un pied de banane. Alors donc, il veut dire que quand c'est plus la saison de Longanie, ben, le boug, il peut aller casse son banane. Crase son banane en même temps, me dirait, pour aller faire son affaire à les vendre. Alors, la cour un petit peu vite fait avec le Game Ball. En plus, la pluie tombe là et m'emmène à voir les Longanie pays. Alors, les Longanie pays, quand on nous regarde bien, les Longanie pays, les assez bien touffus, les petits, les marrons, bien marrons comme qu'il faut, et les super sucrés. Voilà. C'est pas une question de dire que pays les plus gaillards, mais pays a toujours été une affaire extraordinaire que nous mangeons ici. Il nous te goûte pas changer, hein. Manger de la qualité, manger des produits. Comme regarde un petit peu la beauté de ce que nous a là, des pieds de Longanie bio, qui n'a pas été traité du tout, qui traînent à terre là, au bord des ravines, tout ça. Et ça, c'est des fruits, ça tu payes 2 € le kilo ou 1,50 € le kilo. Les cieux certains, ils en ont de la qualité, ils en ont toutes les vitamines, tout ce qu'on en a de bon à l'intérieur. Et en plus, on n'est pas empesté par justement les produits chimiques que les gens y mettent en dedans. Voilà le petit carreau de Longanie, pas mal. Hein, donc, on l'a filmé en gros juste pour faire profit à Zot parce qu'aujourd'hui, c'est... nous parle de la cuisine, mais nous parle aussi des ingrédients que nous utilisons dans la cuisine. Et là, par exemple, le petit Jacques, il est très intéressant. Le petit Jacques, quand il est comme ça, il commence à être un peu dur, mais quand il est comme cette part en haut-là, il est bon à être battu, faire avec des crevettes, battu avec du boucané, tout ça là, il est quand même assez bon pour la santé. Des produits uniques que nous invitons à Zot, bien sûr, à découvrir dans les recettes que m'y fait hein, sur Créoleur TV. Voilà, en gros, alors nous continuons la visite, hein, voilà, donc nous ça va, visite en gros, voir un petit peu, nous suivre Chelsea, là, qui emmène à nous, qui emmène à moi, là, voir un petit peu le champ de son papa, ben oui, donc voilà, il monte à nous un petit peu, Kosanena, donc là, nous, on va arrêter là le reportage, mais tiens, bon, largue pas, on y retrouve, à bientôt.